Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à l'épicerie C'est d'ici, avenue Jean Jaurès, à Terrassan, j'essaie de ne pas me tromper. Je vous présente Muriel et Audrey si vous ne les connaissez pas déjà. Et c'est une épicerie de quartier qui mise sur les maraîchers de proximité, hein, c'est ça. Et votre point producteur de proximité. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Votre point fort, c'est ça, hein, c'est la qualité, la proximité. Oui, tout à fait. C'est même pas le point fort, c'est le concept. C'est vraiment produits locaux et circuits courts en priorité. Et avec l'accueil chaleureux, les conseils. Exactement, on essaie, oui. Puis je pense que c'est notre force et la force de tous les petits commerces de proximité. C'est justement l'accueil, le conseil, l'écoute, être chaleureux, connaître nos clients. Malgré le confinement, donc là vous êtes proche, c'est encore plus en ce moment, c'est faire travailler la proximité, le commerce local, c'est la démarche en venant chez vous, c'est ça? Tout à fait. Puis bon, à savoir aussi qu'on a repris la cave à vin qui existait depuis 1870 à Terrasson, ben pour joindre l'utile à l'agréable. Donc finalement, les bons produits avec les bons vins. Est-ce que c'est quoi? C'est aussi une passion, hein, de travailler dans ce cadre-là, c'est ça? En tout cas, une passion. En tout cas, c'était un choix vraiment. On voulait vraiment. On travaillait toutes les deux dans l'alimentaire avant. Et en biologique, et on voulait absolument aussi développer tout ce qui était finalement local, parce qu'on s'est rendu compte qu'on vivait dans une région où il y avait énormément de bons producteurs, de bons produits, et qu'il fallait absolument développer ça. Alors vous êtes situé ici au cœur de la cité de Terrasson, c'est-à-dire avenue Jean Jaurès, c'est entre le cinéma et le carrefour central. Les horaires, c'est quoi? C'est tous les jours? C'est quand? Oui, tous les jours, donc du lundi après-midi 15h, ensuite la journée on fait 9h30-19h et le dimanche matin jusqu'à midi. Et il y a une page Facebook, est-ce que vous faites des livraisons? Alors, on fait des livraisons en ce moment, en tout cas, oui, bien sûr, on a rendu service lorsque les personnes ne pouvaient pas venir. Et puis après ça, bah, écoutez, pour l'instant, on se pose la question aussi si on ne va pas essayer de développer ça avec un système de drive. Mais tout ceci, c'est encore un projet. Le principal projet cette année, c'était une terrasse, je crois. Oui, tout à fait, la terrasse et embellir l'extérieur. Comme depuis qu'on a repris la cave à vin, on fait aussi bar à vin et after work et petite restauration le midi. Donc c'est vrai qu'on a la place, on a un beau cadre, donc on aimerait essayer d'embellir tout ça. Est-ce qu'on a oublié des produits? Alors je sais qu'il y a des cosmétiques, c'est ça? Il y a plein de choses, si on cherche bien, il y a plein de choses. Oui, on a des cosmétiques, on a des tisanes, on a tout ce qui se fait un petit peu finalement dans la région, de l'huile de noix, des moutardes, des vinaigres, donc bien sûr des glaces faites à Saint-Géniès par M. Manouvrier, enfin, etc. On a plein de bons produits, de très bons producteurs. Il y a un beau rayon, on le voit au fond du magasin, fromage et viande sous vide. Tout à fait, ce sont donc des producteurs qui découpent et mettent sous vide finalement des morceaux de viande au détail. Fait. On voit que vous avez un arrivage de fraises, il y a aussi des huîtres à la saison. Tout à fait, qui viennent de Marraine d'Oléron, que le producteur nous amène directement, une fois par semaine ou deux fois par semaine en fonction de la demande. Donc, ne pas oublier cette adresse, ce lieu au cœur de la cité, surtout cette situation actuelle, hein, où on a besoin de faire travailler le commerce de proximité et notamment l'épicerie d'ici. Je ne me suis pas trompé. Oui, tout à fait. Je pense que la démarche... De plus en plus de gens font la démarche de consommer chez les commerçants de proximité. Et puis, il faut que ça continue pour toutes les communes, tous les petits centres-villes, pour que ça reste vivant. Et puis, on propose tous plein de choses, plein de produits différents, plein de produits de qualité. Et vraiment, c'est à découvrir, quoi. Merci à toutes les deux et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.